Eh bien, yo tout le monde les gars, donc on nous retrouve pour le cinquième épisode de mon let's play sur Uncharted 4 Thief End. Voilà, du coup, dans le précédent épisode, on avait découvert la vie de Nathan Drake après les trois aventures. Shambhala, Eldorado, et c'était quoi la dernière? C'était la cité perdue de trucs. Et du coup là, il a raconté une histoire à Sam, et là on retrouve Sam en fait, après, qui en fait n'est pas mort. Et qui là on poursuit pendant l'évasion. Voilà, et on peut contrôler. Voilà, donc petit résumé. Bordel, ces types sont des sadiques. Alors on rend service à l'humanité. Tiens, tu vas en avoir besoin. Ok. Tu te souviens comment ça marche? Oui, oui, ça me revient. Abran todas las puertas. Hector, si tu fais ça, tu vas déclencher une énorme émeute. Exactement. À Ganlo. N'éloigne pas, ça. Ok. Et appuyer sur trick pour tirer, ok. Wow, du coup on reconnaît nouveau les contrôles. Hein. Ok. Je pense qu'il faut juste tuer les gardes. Alors tac. Ok, on est bon. Juste quand même prendre plus en munitions. Ouais, je vois ça. Ah. Bon, et maintenant, estamos en position. Ok. Samuel, mets-toi à couvert. Quoi? Mais pourquoi? Allez, vite. Ok. Tu peux pas sprinter? Ah, ok. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce que tu nous fais? Donc là, on repasse par le même chemin où on était passé au deuxième épisode, je crois. Ouais. Nickel. Ok. Je pense au plein de mine. C'est tout? Ouais, c'est bon. Juste encore prendre un peu de munitions. Ok, là il y en a trop. Et là, ceci en flamme. Samuel, dans une minute, soit on est libre, soit on est mort. T'es prêt? Oh putain! Wow! Wow, on vient de lui péter là. C'est quand même assez chaud. Hein. Allez,
putain. Ok. Mets-toi à couvert là. Wow. Ça, c'est méga chaud. Ok. Ah, je me faisais comment là, putain. Ah voilà. Tiens, Samuel, de l'eau. Oh non, je vais bien. Je vais même beaucoup mieux que bien. Tiens, t'es déshydraté. Allez, bois un peu. C'est gentil. Alors, qu'est-ce que va faire Samuel Drake maintenant? C'est vrai, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà prendre un bain, dormir dans un vrai lit, trouver un corps bien chaud pour dormir à côté de moi, retrouver mon frère. Je crois que ce sera un bon début. Oui, c'est vrai. Et donc, combien de temps tu penses qu'il va te falloir pour mettre la main sur le trésor d'Avery? C'est difficile à dire. Il faudrait que je retourne aux States pour reprendre mes recherches. Combien de temps? Je saurais pas tant que j'aurais pas commencé. Je croyais que tu savais où il était. Oui, je sais, à peu près. Mais en fait, tu vois, c'est pas comme si Avery avait laissé une carte avec une grosse croix rouge dessus. Mais j'ai quand même une carte solide. Oh, d'accord. Attends. Non, attends. Non. Hé, doucement. Tu sais que je t'aime bien. Mais ce qui compte le plus, c'est que je t'ai cru. Et c'est pour ça qu'on est là. Écoute, je peux le retrouver, d'accord? Il me faut juste un peu de temps. Dame et un cuchillo. Tu vois, le problème, c'est que je commence vraiment à me demander si j'ai bien fait. Hector, il faut que tu me crois. Je vais le retrouver. Je te le promets. Non! Combien de temps? 6 mois. Les gens sont fainéants. Il faut toujours qu'ils demandent plus de temps qu'ils en ont besoin. T'as 3 mois. 3 mois, mais c'est impossible. 3 mois. La moitié du trésor. Je peux compter sur toi. Dis-le. 3 mois, la moitié du trésor. Bien. Si tu t'enfuis, ou t'essaies de cacher le trésor, ou que tu tentes quelque chose de vraiment stupide comme avertir les flics, je le saurai. Et quand tu t'y attendras le moins, je serai là. À ce moment-là, je te ferai pas le cadeau de te donner la mort. Oh.
quelqu'un. Allez, lève-toi. La ville la plus proche est à 10 km dans cette direction, vers le soleil levant. Ça fait un bail qu'on n'a pas vu le soleil se lever dehors, hein. Vamos. Et quand je l'aurai trouvé? Je fais quoi? T'en fais pas. Quand le moment viendra, je viendrai chercher ma part. Buena suerte, Samuel. Donc, Alcazar m'a laissé mettre les boules. Et voilà. Je me sens mal. Non, il faut juste qu'on reprenne la piste là où on l'a laissée. Quelle piste? Arrête, il n'y a plus aucune piste. Après notre fuite, Rafe a utilisé la fortune de ses parents pour acheter les terres autour de la cathédrale Saint-Dismas. On a passé la zone au peigne fin. Le trésor d'Avry ne s'y trouve pas. Mais Rafe n'a pas baissé les bras. Cet abruti continue de creuser depuis des années alors qu'il n'y a rien là-bas. C'est pas une grosse surprise. De quoi tu parles? Il se trouve que, tu sais, moi aussi j'ai un peu creusé dans mon coin. Et je te parie que Rafe n'a pas trouvé ça. C'est fou ce qu'on peut trouver sur Internet de nos jours. C'est juste la croix de Saint-Dismas. T'en es sûr? Parce que la croix qu'on a trouvée était brisée et creuse, il me semble. T'as raison, celle-ci est toujours intacte. Avry avait fabriqué plusieurs croix. Donc, ce qui manquait dans celle qu'on a trouvée au Panama se trouve encore très certainement dans celle-là. Mmh. C'est incroyable. Où est-ce qu'elle est? Oh, alors, cette magnifique pièce sera vendue aux enchères dans 3 jours au domaine Rossi. Au domaine Rossi? Ah, tu connais. Bah, ouais. Et je peux savoir comment tu comptes mettre la main sur une invitation à ces enchères clandestines ultra prisées et sécurisées? Bah. Je me dis qu'on n'a pas forcément besoin d'être invité officiellement. Ah, ouais. Ouais. Et où tu comptes te procurer assez d'argent pour acheter la croix? Même en prenant une deuxième hypothèque sur ma maison, on sera encore loin du compte pour... Ok. Tu vas essayer de la voler, c'est ça? Non. On va la voler. Oh non. Non, Sam, désolé, je peux pas. Je fais plus ça. Quoi? Non, sérieux, non, je trempe plus dans ce genre de combine, c'est tout. En plus, il y a un tas d'autres mecs qui sont vachement mieux équipés que moi pour faire ce genre de truc. Comme qui? Je sais pas, moi... Putain. N'importe qui, Charlie Cutter. Non. Mais si, non, c'est lui que j'irai voir pour un coup comme ça. Rêve. Il n'est pas question que je mette ma vie entre les mains de Charlie ou de n'importe quel autre mec de ton répertoire. Tu piges? C'est de toi dont j'ai besoin. Mais merde, il y a forcément un autre moyen. Pas en si peu de temps, non. Et pas face à Alcazar. Chérie, c'est moi. Écoute, tu vas vraiment pas en croire tes oreilles. Jameson vient de passer, on a les autorisations. Ouais. Je sais, c'est une sacrée surprise, mais... je crois que je vais finalement accepter ce job en Malaisie. Tu vois quelque chose? Rien qu'une bande de criminels de luxe sur leur 31 qui se la raconte. Et je vois toujours pas notre ami Sullivan. On a encore largement le temps. De ce que je vois, ils stockent les œuvres dans le bâtiment qui se trouve derrière le manoir. Tu le vois de là où t'es? Ouais, mais alors juste le sommet. Je me demande ce qu'ils peuvent bien planquer là-dedans. On va se concentrer sur la croix d'Avry, ok? Des trésors. Tu veux pas qu'on rapporte quelque chose à ta femme? C'est sympa. Allons à l'essentiel. Ok, on va faire ça.
Ce serait beaucoup plus simple si on était que tous les deux. Sam... Mais on serait déjà à l'intérieur. Dans quelles conditions? J'espère au moins que t'as pensé à mettre au point un plan B au cas où Sullivan se dégonflerait. Non, parce que j'ai confiance en lui. Et s'il se faisait prendre? Sam... Il connaît les gens qui organisent les enchères. Il va s'infiltrer dans cette petite fête, monter à l'étage, déverrouiller la fenêtre et on sera dedans. C'est un super bon plan. Bon, ça suffit. Vas-y, dis-le. Comment être sûr qu'il va pas garder la croix? Non, il ferait jamais un truc pareil. Victor Sullivan, t'es sûr qu'on parle bien du même Victor? Oui, je sais qu'il a déjà doublé des gens, mais il nous ferait jamais ça. Non, peut-être pas à toi. Je sais que ça a toujours été compliqué entre vous deux. T'es en dessous de mais, la vérité. Mais je lui fais confiance, ok? C'est ma famille. Attends, non. Écoute, je veux que tu lui fasses confiance, toi aussi. D'accord. Il va assurer, je te dis. Il va assurer. Mais bon, faudrait quand même que tu réfléchisses une seconde à l'éventuelle probabilité. Là. Tu vois ? La confiance. Quoi ? Essaie de pas salir ton smoking. Merci. Ok, et du coup là les gars, on se retrouve vraiment dans un bon chapitre. Vraiment dans un bon chapitre. Alors du coup... J'arrive pas à croire que je suis sorti. J'arrive pas à croire que je suis ici, avec toi, en Italie. Moi non plus. Je vais juste faire un truc, les gars, oui, attendez deux secondes. Dans les plus agréable. Ah, c'est sûr. La vue est plus sympa de ce côté. Alors. Mais c'est pas la première fois que tu viens ici, alors. Non, ça doit faire la troisième fois. Pour des petits boulots à chaque fois. Avec Sullivan. Oui. Attendez. Ok. Donc c'est bon les gars, on est bon. Alors du coup on se retrouve dans le présent, ouais du coup plutôt sympa. Alors. Tac, parfait. Donc là on se retrouve dans la jungle. En train d'infiltrer un petit passage pour récupérer une croix. Et donc du coup... Tu veux comment tout en fait? Regarde, il y a bien cette poutre là en dessous. Tu peux l'atteindre avec la corde? C'est à moi que tu poses la question. Vise un peu ça. Je ne fais que ça. Ok alors. Bon bah. J'ai raté. Ah. Bah, tu vois, tout est dans le poignet. Allez, vas-y, essaie. Ah, tu vois? Ouais, pas mal. Que la main de Knight est tendue, vous pouvez sauter et vous accrocher. Ok. Bon alors. T'as vu ça? Waouh, un vrai pro! C'est ton tour! Comment tu veux monter là? Maintenant. Ouais, bien sûr. Ah, ok. Ok. Parfait, et maintenant il faut que je descende encore ici. Du premier coup. Arrête un peu de te la raconter. Ok, what? Allez, Nathan. Ah, ok. À mon avis, si tu descends, tu seras beaucoup mieux placé. C'est bon, j'arrive. Ok. Ah.
Ok, parfait. Et maintenant, faut qu'on aille là et on sera bon. Alors, l'arbre. Vas-y, monte dessus. Tu peux pas. Ok. Ok, ok. Inghilterra, traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, c'è bon. No, ma c'è pas vrai, t'as vu ce type? Il est armé jusqu'au dents, cet enfoiré. On aurait dû prendre des points. Ok. Faut pas gérer ça tout en douceur. On en aura même pas. Ah, bien que c'est trop tard maintenant. Alors. J'espère que t'as raison. Il est où le chapiteau là? Ah, il est. Non. Ah, toutes ces années. C'est les petites choses qui m'ont le plus manqué. Comme quoi? L'odeur d'un citron frais. Faire de la moto, par exemple. Ça change. Allez, viens. Ça devrait tenir. Ok. Tac, et... Wow. Pour descendre... Ah, ok. Tu veux descendre où? Ah, en fait, tu veux descendre comme ça, ok. Ok, et... Oh non, on est bon. Allez, on descend maintenant. On va continuer. Il aura qu'à nous rattraper. Ouais. Mmh. Ensuite. Ah ok, faut monter par là. Alors, tes fameuses découvertes, celles que j'ai marquées. Est-ce qu'au moins t'as pris des photos? Oh putain, ne fais pas chier là. Ouais, bien sûr. Il faut passer par où, non? Ah ok. Ah, par là, ça a l'air pas mal. Ça a l'air carrément dangereux. Allez. Tout va bien là-haut? Ouais. Ouais, ça va. Wow, putain, longue escalade. Hein. J'aurais pas dû. Ah, ok, tu nous fais prendre là en fait. Tout va bien là-haut? Ouais. Ouais, ça va. Allez, tac. Tac. Et ensuite. Allez, t'as bien un truc là. On va l'attendre. Ouais, je sais. C'est pas par là. Pas intérêt à rater ton coup là. Ouais ouais, je sais. Mais je rate jamais. Allez, vas-y, monte. Ok, alors non. Ce que tu viens de faire, ça sert carrément à rien. Ok, faut faire ça. Allez, viens. Ça y est, merci. Nathan? Nathan? Mais quoi? Oh, ouais.
Ok. Ça va? Ouais. De quoi j'ai l'air? D'un mec qui va gagner 400 millions. Allez, viens. Vas-y, je suis juste derrière toi. Sully? Tu sais ce que j'aime dans les fêtes organisées chez les escrocs? Dis-moi. Tout le monde s'en fiche que tu fumes à l'intérieur. Ça fait un bail. Oh, trop longtemps, mon gars. Tu te souviens de mon frère, le Maccabé? Victor. C'est pas croyable. 15 longues années. Ouais. Content de t'avoir en vie, Sam. Essayons de le garder en vie en récupérant cette croix, ok? Ouais. À ce propos. Quoi? Comment ça, à ce propos? Mais j'ai un truc à... Regardez. C'est la croix d'Avry. Ah, ils l'ont sorti à peine quelques minutes avant votre arrivée. Ils ont dû changer l'ordre des lots. Il faut un sacré paquet de fric pour faire ça. Combien de temps il reste avant le début des enchères? 10 ou 15 minutes, maxi. Il y a forcément un moyen de la récupérer. Ouais, le seul coup. Ok, ok. On a juste besoin d'une diversion. Genre, j'en sais rien du tout. Mais il doit bien y avoir un truc. Si jamais les gardes nous voient en train de piquer la croix. C'est ça la solution? C'est dingue. On dirait que vous êtes jamais allé en prison. Les faire un sale coup en tôle. Il faut attendre qu'il fasse noir. Ouais. Faut trouver le tableau électrique de ce manoir. Ventilation. Électricité. C'est là, regardez. Il nous suffit de grimper là-haut, de couper la lumière. Et de prendre la croix dans le noir. Il y aura forcément un générateur de secours. Ouais, ce qui veut dire qu'on n'aura que quelques secondes pour faire ce qu'on doit faire. Faudra donc qu'on soit juste à côté de la croix quand la lumière va s'éteindre. Sauf que si on s'approche trop près, on va se faire remarquer. Scusate, signore. Antipasti? Ça va, merci. Salut. Comment ça va? Ciao. T'arrêtes tes conneries. Un serveur se ferait pas remarquer. Mais ça devrait marcher. Il faut que ça marche. On fait ça. Alors, je vais jusqu'au disjoncteur pour couper le courant. Moi, je fais le serveur. T'es le meilleur pickpocket. Toi, tu descends et tu gardes un œil sur la croix, d'accord? Et fais-nous signe si tu vois quoi que ce soit d'inquiétant. T'inquiète, je le ferai. Écoutez, on a encore une chance d'y arriver. On y va? On y va. Allez, suivez-moi. On va couper par la cave. Victor, je dois dire que les années glissent sur toi. Végétarien. Ok, donc là, j'ai eu vraiment 2-3 petits bugs d'image. Voilà, donc je sais pas trop si vous les avez aussi. Mais en fait, genre, ça m'a coupé pendant un moment de la cinématique. Du coup, je vais juste bien remettre mon câble HDMI en place. Voilà, désolé vraiment pour le bruit des micros. Donc là, non, ça devrait être bon. Ok, alors. Ça passe pendant mon boîtier, peut-être qu'il y a 2-3 moments où ça bug. Faut que j'aille là-bas, je crois. Vas-y, prends un truc là. On doit suivre Sullivan. Alors. Et du coup, ils ont mis la croix aux enchères plutôt. Et du coup, on doit éteindre la lumière pour pouvoir la voler. Je crois que c'est nous qui devons la faire en plus. Ok, donc re les gars, donc on a juste été coupé, voilà, du coup, moi j'ai fait 2-3 trucs en, donc après j'ai mis une heure pour revenir. Du coup, on va juste continuer le petit truc. Alors, venez voir. On s'est arrêté ici, du coup on doit aller vers... En fait, je crois pas, on devait aller vers la cave, mais je crois pas que la cave elle est ici. Ah voilà, elle est ici, ok. Attends, juste bouger un peu mon micro. Voilà, c'est bon. Là, c'est celui, je crois, ouais. Merde, c'est fermé. Et pourtant, c'était ouvert tout à l'heure. Attends, j'ai un bon temps après. On peut la forcer. Non, micro. C'est électronique. Va falloir trouver un autre moyen.
T'as vu ça? La garde bouge arrière gauche. Ouais. Je m'en charge. Oh là, oh là, oh là, oh là. T'es sûr de vouloir faire ça? Il y a beaucoup de témoins potentiels. T'inquiète, j'en suis pas à ma première fois. Ok. Et tu nous fais quoi, arrête de bouger là? Bouge, bouge de la directe. Voilà, parfait. Ok, du coup on a la petite carte pour entrer dans la cave et maintenant on va pouvoir voir la suite. Fou. Non, je crois qu'on doit couper le générateur, ouais, ça doit être ça. Ok. Alors. Allez, on va réessayer. On va avoir besoin de ça. Parfait. Bonne chance. On reste en contact. En l'air. Bonjour, Victor. Bonjour, Nadine. C'est un plaisir de te revoir. Seulement cette fois, c'est moi qui ai l'avantage. Eh ben, heureusement qu'il s'agit pas d'un vrai pistolet. J'ai du mal à te reconnaître sans t'entrailler. Ouais, tu connais la musique. De temps à autre, pour une mission, on n'a pas le choix. Faut se pomponner. D'ailleurs, tu es très élégant. Je te renvoie le compliment. Je me sens pas dans mon élément. Je te raconte pas le soulagement de tomber sur quelqu'un qui parle ma langue. Même si on n'est pas du même pays. Ça, j'y suis pour rien, faut voir avec mes parents. Je vais aller me chercher un verre. Je te rapporte quelque chose? Oui, un whisky. On the rocks. Je reviens vite. Nate? T'as entendu tout ça? Ouais. On dirait bien qu'une dame veut te payer un verre. Ah oui, mais c'est pas n'importe qui cette dame. C'est Nadine Ross. Nadine Ross. C'est la même Nadine qui a une armée de mercenaires? Coastline, c'est ça? Shoreline. Ah ouais, voilà. T'as pas eu un souci avec eux? Ça, c'est peu dire. Mais heureusement, elle a pas l'air de m'en avoir tenu rigueur. Voilà, je suis prêt. Ok. Ça y est, on est prêt à y aller. Essaie de ne pas t'attirer d'ennui. Oh, je vais essayer. On y va? Ouais, c'est parti. Ok, alors, on va voir. On devrait pouvoir en faire sortir un de la cuisine. Ok, alors direction la cuisine. Du coup, il y a une meuf, un potentiel ennemi. Et du coup, on doit traverser la cave pour retrouver... aller dans la cuisine pour un générateur, je crois. C'est bon, il n'y a personne. Merde. Tu vois un cerveau, maintenant ? Non, que des gorilles armés jusqu'aux dents. Allez, roule-toi un peu. C'est fermé, évidemment. Bon, passons au plan B. Et c'est quoi le plan B? Elle est fermée, je te le dis. Je voulais juste vérifier. Eh ben, c'est fermé. Ouais. Mmh.
Parfait. Il y a des conduits d'aération. Ensuite. Nous y voilà. Que la lumière soit. Et la lumière ne perdura pas. T'aurais pas une lampe sur... Ça fera l'affaire. C'est toujours une bonne idée d'avoir un... Ok, bah en ce moment, un petit briquet. Enfin, sauf s'il faut courir. Oh, toutes ces vapeurs, là. Ça commence à me montrer, en fait. Heureusement, c'est celui qui conduit. L'entrée de ces conduits est peut-être cachée par ces tonneaux. C'est plein de millésimes très rares. Ouais, peut-être qu'Alcazar se contentera de quelques bonnes bouteilles. Quelque chose me dit que ça suffira pas. Alors, par contre, à moins que ce soit là. Mais que ça doit être plus loin alors. Il y a des histoires flippantes pour sur elle, c'est vrai. T'inquiète pas pour celui. On peut sortir de n'importe quelle situation. Bien. 2013. Ok. Du coup, on va pas passer par là. Parfait. Ensuite, tu fais ça comme ça. Je pense qu'ici y a rien, voilà, tout à fait. On va pouvoir passer comme ça. Ici aussi y a rien. Ok, je sais ce qu'il faut faire. Bon, allez, on grimpe. Et voilà, parfait. C'est plus serré que ce que je pensais. On passe par le petit conduit. Et plus sale aussi. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Risque pas de manquer de serveur dans le coin. Allez. C'est quoi là? Viens voir ici. Là y'a quoi? Une autre grille. Y'a ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Sono pezzi rubati ai ricettatori. Oh, enfin le bon air frais. Bon, pas trop je tarde, mais j'ai déjà 30 minutes sur l'autre. Bon, en fait, on va s'arrêter ici. Merci d'avoir regardé la vidéo et tchou, peace, c'est meilleur.